Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle avant-midi qu'on va passer ensemble dans ta présence. Merci de ton amour pour chacun de nous. Merci, Seigneur, que tu es vivant et que tu es présent et que tu touches et que tu bénis. Amen. Soyez bénis ce matin. Vas-y, Abel et toute l'équipe. On les applaudit ce matin pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, venez. Ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Un palais.
Yeah.
Comment ça va ce matin? N'est-il pas bon de le louer? En tapant les mains. Vas-y Ben. Alors tu répètes après moi. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Feu du Saint-Esprit. On y va, Manu. One, two, ready, go. On danse. On y va. Vas-y, Gilles. Le feu du Saint-Esprit. Au
Ok, maintenant ça va être que les hommes. Renvoie ton feu. Que les hommes, plus fort. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia, les hommes, on y va plus fort. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Ok, que les femmes cette fois-ci. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Le feu du Saint-Esprit. Bon, à quoi? C'est pas juste là. Les femmes, vous ne louez pas plus le Seigneur que moi. Les hommes, je représente les hommes là. Ok, on y va. Envoie. Envoie ton feu. Ouh, ça c'est les hommes, ça c'est les hommes. Alléluia. La victoire est proche. Les femmes, à vous. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Send your fire, tout le monde, on y va. Woo, send your fire. Come on. The Holy Ghost fire. Send your fire again. Come on, come on. The Holy Ghost fire. Send your fire, send your fire. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans la détresse. Car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans la détresse. Car Yahweh m'a livré. Dieu, tu es si bon. Excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Est-ce que nous servons un Dieu excellent ce matin? Qu'il est vivant. Alléluia.
ensemble. Que tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et de toi, je me sens bien. Et quand mon cœur était rempli d'amertume, je perdais la raison. Je n'y voyais plus rien. Alléluia. Je suis si content car tu t'approchas pour me saisir la main. Alléluia. Tu es le soutien de mon cœur. Sa gloire. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. En esprit et en vérité.
voici. Me voici pour t'adorer. Levons les mains. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Nous aimons. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Oh, je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Alléluia. Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. Oh, 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 je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. Alléluia. Je désire t'adorer, oh, je désire t'adorer, pour toujours je désire t'adorer, oh, je désire t'adorer, pour toujours je désire t'adorer. Je désire t'adorer, alléluia. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Oh, je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. En tout puissant, merci, oh mon Dieu. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Oh, je désire t'adorer. Toujours je désire t'adorer. Alléluia. Toujours je désire t'adorer. Alléluia. Toujours je désire t'adorer. Me voici, chantant, me voici. Me voici pour t'adorer de tout mon être. Pour t'adorer en esprit et en vérité, prends les mains
Alléluia. Alléluia, merci. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est bon d'adorer Dieu. C'est bon de l'adorer. Il est vivant. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Praise you, Lord, in the highest. Alléluia, merci Jésus. Praise you, Lord. Merci Seigneur, merci. Alors, je voudrais maintenant inviter Jimmy et Berland Isbeck à venir avec leur fils Jilan. Jilan, que tu dis, ou Jilan? Jilan Schmidt, né à Ottawa le 19 avril 2013. Et aussi le parrain et la marraine sont ici. Vira Baxi et Sergil Terrassant. J'aimerais aussi souligner la présence des familles et des amis de Jilan qui sont venus pour cette présentation. Amen. Il en manque un, n'est-ce pas? Manques-tu un garçon? Oui. Je pense que tu en as quatre, hein, Jimmy? Ah, oh, il est là. Bon, OK. Voilà. Ah, je suis content. C'est parce que je pensais que c'était un de ceux-là. Je devais lever. Non, non, ah, lui, c'est voilà. Plus. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. Et voilà, les parrains sont ici, marraine. OK. Alors, nous faisons la dédicace de Jilan. Belle famille! En accord avec la parole de Dieu devant cette assemblée, nous allons présenter cet enfant au Seigneur comme Joseph et Marie ont présenté l'enfant Jésus au temple et l'ont consacré au Seigneur. J'ai trouvé une parole pour vous, Jimmy et Berland, dans le psaume 127, versets 3 à 5. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. » Est-ce qu'on voit les fils ici? Hein? Voilà! « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. » Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Alléluia. Jimmy et Berland ont essayé d'avoir une fille. Ça n'a pas marché. Mais là, est-ce que vous avez essayé pour une autre? Amen. Voulez-vous, on va prier pour un miracle. Oh, c'est assez? Non, hein? Je pense... C'est assez. Ah. Ouais. Non, on en veut d'autres. Qui va gagner? L'homme ou la femme? On va entendre qu'ils soient unis. Amen. Alors, je vois qu'il y en a d'autres qui sont plus prospères que Pasteur Denis. Amen. Alors, Jimmy et Berland ont décidé ce matin, comme parents, de présenter, consacrer Jilan au Seigneur. Un enfant, c'est un cadeau du Seigneur, c'est un don précieux de Dieu, et on doit l'élever pour lui, les parents. Amen. Jimmy et Berland, est-ce que vous vous engagez devant Dieu et devant la famille chrétienne du Centre Éveil à élever Jilan dans les voies du Seigneur, à l'aimer et à le protéger toute sa vie? Oui, nous engageons. Jimmy et Berland, est-ce que vous vous engagez devant Dieu et devant la famille ici représentée? Non, c'est la prochaine. Est-ce que vous vous engagez à l'amener dès son jeune âge à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui, nous engageons. Je vais parler maintenant aux parrains et à la marraine. Vira et Sergil, en anglais. We're going to talk to you now. That's okay. OK. Est-ce que vous vous engagez à prier pour Jilan et à être là pour le guider dans sa démarche spirituelle et lui donner un bon exemple? Yes, we will. Amen. Alors, je demande au pasteur Jean d'élever le petit Jilan Schmidt, qui est assez cute avec son habit. Oh. Si Jésus ne revient pas, ça va être un avant... Ça va être un prédicateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, on te remercie pour Jilan. Yes. Merci pour cet enfant qu'on te consacre aujourd'hui. On te demande de le bénir. On te demande de le combler, de le protéger tous les jours de sa vie. On te demande de le remplir. Place des anges autour de lui. Et je te demande de le bénir. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit... Amen. Et Jilan. Amen.
Congratulations. Amen. Seigneur, bénis la famille aussi, tous ces petits bouts de chou dans Amen. Le nom de Jésus. Félicitations. Merci, Seigneur. Alléluia. Félicitations. Félicitations. C'est beau tout en habit, hein? C'est wow. beau. Woo! On les applaudit ce matin. Amen. Vous savez, on va entendre tout à l'heure un bout du témoignage du pasteur Édouard. Hallelujah. Mais qui veut réussir ici dans la vie? Levez vos mains. Ah, c'est bon ça. Dit ma femme d'attacher mon manteau. Sinon, j'ai le bédon à l'air. Un bouton. Oui, chérie. Ce matin, je veux vous partager comment réussir. Vous savez, tout le monde veut réussir. Mais ma définition de réussir, c'est tu commences bien, puis tu finis à la fin bien. Pour moi, c'est très, très important. Je vous ai dit quelques semaines passées, j'étais avec un vieux monsieur de 92 ans. Et il arrivait, ça faisait 50, 60 ans qu'il servait Dieu. Puis il dit, je cours la course jusqu'au bout. Ça, j'appelle ça un homme victorieux. Avoir du succès, c'est pas d'avoir du succès juste un certain moment. Et quand je vous parle de réussir, c'est de réussir d'être heureux avec sa femme. Je peux-tu avoir un amen, s'il vous plaît? Les hommes, au moins. Les femmes, d'être heureux avec votre mari. Réussir veut dire réussir aussi avec nos enfants. Ils sont précieux, nos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la vraie prospérité. D'avoir de l'argent en banque, c'est pas méchant. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Ou pas de n'avoir du tout pour certains. Je veux que vous tourniez, vous savez, les seuls évangiles, dans les quatre évangiles, on parle du miracle qui ont nourri 5000 hommes. Et les femmes, on dit pas, on parle des femmes, puis les enfants. Moi, je dis qu'il y avait peut-être 15 000 personnes qui ont nourri avec 5 pains et 2 poissons. Et c'est le seul endroit où on en parle dans les quatre évangiles. Ce qui veut dire que ça devrait être important. Comment réussir? Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 14 au verset 13. Jésus venait juste d'apprendre que Jean-Baptiste avait été décapité. Son meilleur ami avait été décapité. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit tout. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Seigneur, je te prie, mène garde ce matin à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que je trouve beau ici, c'est que Jésus venait d'apprendre une nouvelle qu'on avait décapité son ami, puis il est encore ému avec la foule. Puis il a guéri les malades encore.
Puis je trouve donc ça beau. Et on a eu un témoignage, notre sœur n'est pas ici, hein, du premier service, qui était paralysée de la tête aux pieds, et Jésus l'a guérie au complet. Amen. Elle nous a témoigné ça au premier service. Et je trouve ça juste merveilleux. Écoutez bien, le désir de Dieu, c'est important de voir les miracles. Jean 15 nous dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Écoutez bien, le miracle ouvre le cœur aux gens à entendre l'Évangile de Jésus-Christ. Tout le monde est d'accord avec moi? Moi, je vois quand Jésus fait un miracle à quelque part, amen, on amène les caméras avec nous en Belgique, et vous allez voir, quand il y a un miracle, tous les gens sont « Ah! » et sont aptes à écouter l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on entraîne une armée ici, amen, de gens qui prient avec les gens. C'est pour ça, si vous remarquez, plusieurs sont guéris. Amen. Et vous allez voir, à la fin, je veux prier pour une personne ici. C'est comme juste ici dans le dos, les deux coins. C'est comme vous avez un mal qui perce, mais vous allez ressentir une chaleur, plus ça va aller. Et vous allez voir, vous allez guérir au complet. Guérir au complet. Il y a quelqu'un aussi qui a une hernie discale. Amen, vous allez être guéri ce matin par la main toute puissante de Dieu, parce qu'il est ici au milieu de nous. Fait que c'est important. Et pour, écoutez bien, ça prenait un miracle pour nourrir 15 000 personnes. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça prend un miracle, surtout si tu arrives avec 5 pains et 2 poissons. Puis imaginez-vous si les disciples qui étaient là, Jésus leur a demandé, « Maintenant, vous allez distribuer. » Si les disciples, « Monsieur, tu penses, moi, allez, on va avoir l'air des vrais fous, c'est décortiquer le poisson, la queue pour ce côté-ci, l'autre bout de la queue pour ce côté-ci, et l'autre bout du corps pour ce côté-ci, et la tête pour ce côté-là. » Et les yeux, qui aime les yeux de poisson ici? Il y a un petit croquant dedans, puis il y a un petit jus qui sort de dedans. Mais il est important, écoutez bien, je veux vous partager comment réussir. Vous allez entendre un témoignage tout à l'heure d'un homme qui a réussi. Mais vous devez savoir comment faillir avant. J'ai partagé la recette la semaine passée, comment faillir. Numéro un, ceux qui prennent des notes, ceux qui désirent faillir ici, levez vos mains. On va commencer à prier pour vous tout de suite. Ah! Non, je le sais, c'est un enfant. OK, numéro un, ceux qui désirent faillir, c'est quand nous regardons à la grandeur de la tâche. Vous êtes sûr de faillir. Numéro deux, quand nous regardons au petit peu que nous avons. Et numéro trois, ceux qui désirent faillir, c'est quand on laisse Dieu hors du portrait. Ça, c'est la recette idéale pour faillir. Mais si on désire voir, si on veut avoir du succès et réussir, il faut être unis. Amen, on croit pour 10 000 personnes. Est-ce que c'est trop pour Dieu, ça? Amen, on croit pour 10 000 à l'Église. Oh, pasteur, est-ce que c'est trop grand pour mon Dieu, cela? Amen. Mais ça prend l'unité. Dites unité. 1 Corinthiens 12, 20b nous dit, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et je crois que le secret que vous devez comprendre ici, le psaume 133, verset 1 nous dit, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Le mot « demeurer » ici, veut dire se marier, s'installer, s'établir. Quand on se marie ensemble, amen, on forme l'Église de Dieu, on est fidèle à l'Église de Dieu. Écoutez bien, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, c'est quand on persévère
Amen. Qu'on reste planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Je crois le témoignage, vous allez entendre tout à l'heure, c'est parce que je l'ai déjà entendu, c'est un homme qui était fidèle à son église locale, qui est fidèle dans ses dîmes et qui n'a jamais lâché. Je peux avoir un amen ou un ouch? C'est pour ça qu'une puissance, quand on est unis ensemble, si on s'unit pour une vision, c'est pour ça dans la tour de Babel, j'aime bien ces versets-là, ils étaient unis pour se faire un nom à eux autres. C'était pour mal faire. Puis regardez qu'est-ce que Dieu, Genèse chapitre 11, versets 4 à 8, ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, mettez Dieu hors du portrait, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple. » Dites, « un seul peuple. » Et non, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Quand tu es uni, il n'y a rien qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez, frères et sœurs. Surtout quand on est uni pour faire le bien, je vous dis qu'on va voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu sait que si on est unis ensemble, je vous dis, je vous garantis, si on est unis, puis si je peux venir à bout de convaincre les gens de se planter, amen, comme il faut, sans douter dans leur cœur, je vous dis qu'il n'y a rien là, vous allez voir les âmes rentrer ici, les gens se convertir, les gens être guéris. Ça fait 15 ans que je prêche ça. Les deux principes, numéro un, l'unité. Un royaume divisé ne peut pas subsister. C'est pour ça, les hommes d'affaires, vous devez être unis avec votre femme. Les femmes, je vais entendre un amen là-dessus. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Je suis sérieux, il y a une puissance quand on est unis ensemble. Il y a une puissance, mais le diable le sait. C'est pour ça, le diable, Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est pour ça, écoutez bien, c'est très important. Vous devez comprendre, si vous voulez réussir votre vie, amen, je ne parle pas juste d'ici-bas, pour l'éternité et prendre position pour l'éternité. Parce que vous allez avoir à rendre compte de tout ce que vous faites. Et la seule chose que Jésus est venu bâtir, c'est son Église. Amen. Et c'est important. Et même le diable le sait. C'est pour ça, quand il est capable de sortir quelqu'un de l'Église locale, il est heureux. Il est heureux. Et souvent, les tactiques de l'ennemi, écoutez-les bien, parce que c'est important. Je veux que vous saisissiez cela. C'est quoi la tactique numéro un? L'orgueil. Lucifer, c'est penser plus grand que Dieu. Et c'est pour ça, amen, j'ai vu tellement souvent, moi je connais tout ça. J'ai pas besoin de ça. Je sais tout ce qu'il va prêcher un matin. Et je vous dis, les gens qui parlent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils verraient, si vous ne comprenez pas ça, je vous dis que vous n'avancerez pas. Votre vie ne sera pas une pleine réussite. Amen. Je vous dis ça avec amour. Un pasteur m'a téléphoné cette semaine. Il dit, pasteur, Jean, il dit, puis ça me disait de lui téléphoner, de l'encourager. Et je lui téléphone, puis il dit, pasteur, il y a quelqu'un dans mon église qui est en charge de l'intercession, est prêt à rassembler les gens autour d'elle et les faire sortir de l'église. Et j'ai dit, écoute,
J'ai dit, c'est toi que Dieu a placé en charge là. Puis j'ai dit, moi, je te conseille, mets-la à la porte le plus tôt possible. Et j'ai dit, parce que c'est facile d'aller bâtir là où quelqu'un a déjà mis la fondation. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, ouais, mais quelqu'un l'a ordonné, pasteur. J'ai dit, je me fous du titre. C'est toi qui es le patron à la maison. Puis j'ai dit, je te le dis comme frère dans le Seigneur, ouvre-y la porte tout grande. Et dis, bébé, même si tu intercèdes, si tu n'es pas uni avec moi, tu ne resteras pas ici parce que tu nous empêches d'avancer. Et le pasteur disait, oh, merci, 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 ça me fait du bien, ça me fait du bien. Tactique, je vous dis, le diable, son ouvrage, ne veut pas que les gens prospèrent, ne veut pas que les gens avancent. Et si je viens d'entendre parler de quelqu'un ce matin, pasteur, oui, c'était un pasteur, il m'a parlé de ça, je ne vais pas regarder qui. Il me disait, cette personne, elle a fait 5 églises cette année. Savez-vous pourquoi elle a fait 5 églises cette année? Parce qu'elle n'est pas capable d'être plantée à nulle part. Et le diable tape des mains comme ça parce que cette personne n'a jamais grandi. Et qu'est-ce qu'on lui a dit un jour avant qu'elle parte d'ici? Elle n'a rien compris encore. Frères et sœurs, je vous dis, si on est unis, il n'y a rien là pour Dieu d'envoyer. Je vous le dis, il y a une onction qui va venir dans la place, vous allez voir, ça va grandir. Et la bénédiction va tomber sur mes hommes d'affaires, sur mes hommes d'affaires, sur les femmes d'affaires. Amen, amen, et ça va tomber sur cette église. Et les miracles aussi. Puis, écoutez bien, la critique, deuxièmement, qu'est-ce qui divise l'équipe? L'ennemi, c'est juste un petit peu de critique. Écoutez bien, va te faire déconnecter de votre église. Saviez-vous ça? Amen. Tu sais, quand quelqu'un se divorce, c'est pas le jour qu'elle se divorce qu'elle est divorcée. Êtes-vous d'accord avec moi? Les gens sont tous tristes. Ah, ils sont divorcés. Non, ça a commencé. Le macaroni était froid. Puis il a commencé avant une chicane de ça, du macaroni froid. Amen, c'est là que ça a commencé. Et on dit, oui, mais tu ne sais pas faire à manger, puis tu ne sauras jamais faire à manger. Et de là, la critique, je vous dis, les gens qui tombent dans la critique sont déconnectés de moi. Tu pensez-vous, je ne le sais pas. Ils sont déconnectés. Et quand quelqu'un est déconnecté, le diable tape des mains, je les ai. Je les ai. Et je vous dis, les gens n'avancent pas. Faisons attention, je vous dis, c'est les trappes de l'ennemi. Il divise l'équipe parce que si on est une équipe, je vous le dis que des milliers vont venir à Jésus-Christ. Des millions vont venir à Jésus-Christ. Si nous, les francophones, on se donne la main, je vous dis que rien. Troisièmement, la gloire des titres. Ça, ça divise. Ça sort les gens des églises. On vient d'en perdre une autre personne dans l'église. Un de mes leaders me disait, « Pasteur, je suis certain qu'ils ont offert un titre à quelque part. » Qu'on dit, « Ah, oh, tu vas être ancien si tu t'en viens avec nous. » Je vous dis, tous ceux que j'ai vus qui courent après les titres, un jour, quelqu'un qui était pasteur est venu me voir et dit, « Jean, il dit, si tu m'appelles pasteur devant le monde, je vais venir ici. » Mais j'ai dit, je ne t'appellerai pas pasteur parce qu'il n'y a qu'un pasteur à l'église, c'est moi. Puis, il n'est pas venu ici. Il y a des gens, si on le titre, ils vont fonctionner. Mais si tu n'es pas connecté avec ton cœur, amen, j'ai tellement vu des gens qui ont reçu la critique, qui ont été déconnectés de moi. Puis après ça, tu as beau parler, puis tu entends leur conversation. Je ne suis plus nourri, là. Puis je l'ai vu maintes et maintes fois. Amen. Les réunions hors de l'Église. Écoutez-moi. Les réunions hors de l'Église.
Tout le monde a connu le plein évangile ici, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont connu le plein évangile, les hommes d'affaires du plein évangile? C'était excellent! Des mouches chicariennes! Il y a eu les meilleures idées au monde quand il a commencé cela. Mais, aussi longtemps que c'est un bras de l'église locale, le jour, je vous dis comme pasteur, pasteur Olivier en a parlé un peu, le jour que les hommes d'affaires du plein évangile se sont séparés de l'église locale. Moi, j'étais là. J'ai donné mon témoignage souvent aux hommes d'affaires du plein évangile. Et le jour où c'est devenu une entité séparée, parce que Jésus est juste venu bâtir son église. Et les gens, je vous dis, les gens empêchaient les gens d'aller à l'église puis ils faisaient leur propre église. C'est là qu'a sorti le plus de faux prophètes. Les gens avaient les dons, mais n'avaient pas le caractère pour aller avec. Et je vous dis ça comme pasteur. Et c'est pour ça, quand je vois des gens, « Oh, nous, notre groupe est au téléphone, on se rassemble ensemble. » Moi, j'ai vu un fils de président qui venait ici à l'église. Je lui ai dit, « Ah, on a commencé un groupe de prière au téléphone. » Peut-être que vous ne saviez pas, je ne vous l'ai jamais dit. Le fils de Laurent Babeau venait ici. Et un jour, il est parti. Mais ça a commencé avec un petit groupe hors de l'église, au téléphone. Et je crois que ça l'a amené la confusion plus que d'autres choses. Écoutez bien, je vous aime quand je parle comme ça, mais je sais de quoi je parle. L'église locale, ça vous protège. Il y a l'église universelle qui est la grande église. Je parlais avec pasteur Bruno, il me disait qu'il avait été en Haïti, c'est merveilleux. Il avait aidé une église de 3000, mais moi j'ai dit, on a des gens dans notre église qui ont une église de 3000 personnes en Haïti. Que je savais même pas, je viens juste de savoir. Fait que préparez-vous les prédicateurs. OK, écoutez bien, vous devez comprendre ça. Comment les gens se font la critique? J'ai vu une autre personne cette semaine, ma femme a dit, « Faut que j'appelle une personne absolument. » Puis, savez-vous, cette personne nous disait, elle disait à mon épouse, elle dit, « J'étais sur le site Internet. » Puis ces gens-là m'ont dit d'aller sur le site Internet. Puis, elle dit, « Benny Hinn, c'est un faux. Billy Graham, c'est un faux. » Joyce Meyer, c'est un faux, mais j'ai dit, écoute donc, j'ai dit, ceux qui ont écrit ça, ouais, mais c'est écrit sur Internet, mais j'ai dit, je peux mettre ton nom sur Internet, puis t'as marqué, t'es le plus gros bozo de la Terre, puis ça va toujours rester là. Est-ce que c'est vrai? Voyons donc! C'est pas du discernement, ça. Le discernement est avec le team dans l'Église, je vous le dis, frères et sœurs. Et on est venu à bout de sauver cette personne-là, que l'ennemi... Puis écoutez bien, ça commence très innocemment. Elle était malade, elle s'est éloignée du berger. Est-ce que vous me suivez? Pas volontairement, mais quand elle était le plus loin du berger, elle était, je ne sais pas, un mois, cinq semaines, six semaines, hors de l'Église. Puis, loin du berger, le loup a accès. Les loups ont venu, puis je vous le dis qu'ils l'ont. Ils ont essayé de la déchicoter. Mais merci pour ma moitié qu'il y a un cœur de l'appeler. Puis quand j'ai vu qu'elle parlait comme ça au téléphone, j'ai dit, « Amène-la sur le téléphone, c'est moi le berger ici. » Puis écoutez bien, c'est pour ça qu'on veut... Allez pour 10 000 âmes, mais on a besoin de vous, frères et sœurs. On a besoin de l'équipe. Amen. Que les gens, s'ils ne comprennent même pas ces principes-là, comment voulez-vous qu'ils puissent faire des leaders? Il y a des gens qui ne sont même pas sûrs. Oh, mais je ne sais pas si c'est mon église. On ne peut pas vous mettre comme leader. Hello, hello, hello. Une autre chose, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais je suis plus long que je pensais là-dessus. Mais je continuerai la semaine prochaine. L'offense. Jonathan a enseigné souvent sur l'offense. Ah, mais ils m'ont blessé. Je ne vais plus à l'église. Ça, c'est l'ennemi qui utilise des choses comme ça. Et l'offense, souvent, sort les gens. Puis le pire, la personne s'en va avec son offense pour avoir commencé à la même place, elle va être offensée encore. Come on!
Laissons-nous pas déraciner. C'est l'ouvrage de l'ennemi. Votre pasteur vous aime. Amen. Quelqu'un me disait un matin, « Pasteur, t'as donné une parole de connaissance, c'était pour moi, puis je me suis pas avancé. Je pensais que tu m'aimais plus. » Ben non, voyons donc. J'ai dit, « Je l'aimais. » J'ai dit, « Je l'aimais. » C'est juste sa personne qui a manqué. Est-ce que vous me suivez? Je vous aime. Et je parlais avec Pasteur Bruno qui avait été là-bas, puis je voyais l'Église universelle. Je crois dans l'Église universelle. Est-ce que vous me suivez? Je voyais qu'un ministère aussi apostolique qui se développe. Puis nous aussi. Mais, amen, je me réjouissais avec lui de qu'est-ce que Dieu faisait à travers lui. Hallelujah. Et aussi, la séduction. Ça, c'est le dernier sur ma liste. Qu'est-ce qui divise? Wow, quel pétard! Man, avoir une femme comme ça, moi, ça irait bien. Elle est tellement fine, elle m'écoute quand je parle. Ça a toujours de l'air plus vert ailleurs. Moi, c'est pour ça que j'ai frappé le gros lot avec ma femme. Elle a frappé le gros lot avec moi. Et elle a été bénie pour l'éternité. Écoutez bien, l'unité fait la force. Laissez-vous pas déraciner. Oh ben, Robert m'a pas dit bonjour comme il faut dans la cour ce matin. J'ai été blessé. Amen, 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 amen. Trouvez votre place dans le corps de Christ. Pasteur Édouard est avec nous ce matin. Il nous a accueillis là-bas. Il nous a tellement bien accueillis. Dieu, au Burundi, il y a une petite maison là-bas de 4-5 étages, 4-5 salons dedans. Il nous a juste aimés. Il nous a accueillis chaleureusement. Mais si je vous l'amène ici, écoutez bien, c'est un homme, il est pasteur aussi, il a été fidèle avec Dieu. Et à cause de sa fidélité dans ses dîmes, ses offrandes, Dieu lui a ouvert les portes auprès des grands de ce monde. Amen. Et je veux qu'on l'accueille très chaleureusement, Pasteur Édouard de Boston, du Burundi. I love you. I love you too. Hallelujah. Praise God. Je t'aime aussi. Amen. Je t'aime beaucoup. J'aime. Ça, c'est une église. Je sens la liberté. Hallelujah. Il y a une. Vous allez m'excuser du français, de tout, mais. Le Seigneur est bon. Il est bon. Il nous fait rencontrer. Il fait des merveilles. La première des choses, c'est être fier de toi. Parce que si tu n'es pas fier de toi, you are losing everything. Tu peux être un peu plus gros que moi. Tu dois changer. C'est normal. Mais je dois aimer la personne. Ma personnalité. Si je ne m'aime pas, tu ne vas pas m'aimer. Tu ne vas pas. Ce n'est pas possible. That's the first commitment. La deuxième chose. Si tu ne sens pas cette liberté dans ton église, peut-être tu n'es pas de cette église, je m'excuse. Mais tu es planté ici. Dieu t'a amené ici. Je sens le pasteur, je sens. Si tu ne te sens pas vraiment de cette église, donne-toi. Aime-toi et donne-toi à ton pasteur. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. La première institution, c'est l'église. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent aux gens et se disent pourquoi les gens de ce monde sont,
sont bénis. Pourquoi moi? Pourquoi pas? Parce que tu n'honores pas. Tu t'honores pas. Le pasteur. Oui, c'est. Dans la liberté, c'est là où le Seigneur travaille. Je sens la liberté dans cette église. Amen. Que la liberté de Dieu continue dans cette église. Au nom de Jésus. Que personne, que si tu viens dans cette église et que tu n'as pas cette liberté, tu ne sens pas cette liberté, je te demande que le Seigneur t'inspire, te parle de cette église. C'est la question que j'allais demander à ma femme. Je voulais le savoir parce que je sais qu'elle va me raconter de ça, de cette liberté. Il y a une liberté dans cette église. Please, apprécie ça. Pasteur dit réussir. Si tu me vois ici, voilà, le pasteur nous a amené à un millionnaire ou à un milliardaire. Non, j'attends. Qu'est-ce que c'est réussir d'abord? Ce sont les challenges qui sont. Quand you have to conquer. J'ai conquéru ma femme. Ma femme, elle-même. J'ai fait la victoire sur ma femme. Elle-même, peut-être que tu ne m'aimes pas beaucoup, c'est pas, mais peut-être si je reste ici un peu, peut-être que je l'aime, mais elle-même, mes enfants, ils m'aiment, parce que je les ai déjà gagnés. C'est ça, réussir. Comptez tes bateaux, comptez tes guerres, comptez tes problèmes. Essayez un en un de un à un, si tu es de cette église, si tu ne donnes pas de dîmes, si tu ne te donnes pas, tu es, you are failure. Tu ne gagnes pas et tu ne peux pas réussir dans ta vie. Parce que tu es venu dans une église et il y a des principes de Dieu dans les églises. Dans une église. Si tu n'arrives pas à accomplir ça, tu es failli. Il faut gagner, il faut compter tes bateaux, il faut compter ce que tu... Et un à un, tu dois gagner. C'est ça la réussite. Amen. Bill Gates, oh, tous ces gens-là, ils n'ont pas été riches. Hein? Le matin, bah, je suis riche. Non. Mais quand je l'ai vu, quand je l'ai rencontré, la première fois, peut-être qu'il ne m'a pas... Il ne m'a pas reconnu tellement, mais quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, he can be my mentor. Je peux lui parler de mon trajet, en lui parlant de mon trajet, même s'il n'est pas peut-être businessman, là où je suis, il va parler sur ma vie et sur ma situation. Et cette situation, ça va grandir, ça va, même si la situation est morte. Tu as besoin des gens comme ça, qui parlent à tes situations. Parce que la réussite, c'est pas, il y a des problèmes. Mais tu as des gens, tu as besoin des gens hein, qui parlent à la vie. Pour ceux qui ne marchent pas, marche. Tu dois, donc, la réussite, c'est pas toujours réussite. Il y a des fois, tu es stuck. Et tu as besoin des hommes de Dieu. Nulle part, c'est dans l'église. Et tu dois être fidèle dans l'église pour que quand le pasteur, parce que le pasteur ne sait pas si tu es fidèle, tu donnes des dîmes, mais quand, parce que c'est, tu fais le principe. Et quand il va parler sur ta vie, il déclare, et il y a une vie. Je ne sais pas ce que tu passes dedans aujourd'hui. C'est le moment de venir pour que l'homme de Dieu déclare une vie. Mais il faut être fidèle. Il y a des principes. Si tu fais ça, le Seigneur va t'honorer. Il est là pour honorer. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait un grand plaisir. Alléluia. That's something. So, ça, c'est quelque chose que je sens dans cette église, que je dois d'abord parler, parce que mon trajet,
c'est long. Je suis encore jeune, j'ai bientôt 45 ans. Mais background ou le passé, je viens d'une famille chrétienne, mais on avait une boîte de nuit. Ça veut dire, nuit, tu sens, c'est la nuit. Tout ce qui se passe dans la nuit, hein. Tu sais, les gens de la nuit, hein, des fois, quand c'est le matin, hein, ils oublient que c'est le matin. Tu vois la chemise comme ça. Et, parce que les gens de la nuit, des fois, ce qui se passe dans la nuit, c'est dans la nuit. Hein. Oui, des fois, tu viens avec torse nu, parce que c'est la nuit. Les gens, take it casual, c'est normal. Mais tu vois, la journée, les gens sont sérieux. Donc, c'est ça. Ça, c'était ma vie. Dans le noir. Dans le noir. Mes envies étaient les gens. C'était vraiment darkness. Ma mère était une chrétienne qui priait, qui croyait au miracle, puissance du Saint-Esprit. Elle priait jour et nuit. Et quand j'entendais mon nom, je dis non, il ne faut jamais prier pour moi. Non, parce que je savais qu'il y a une puissance. Je savais qu'il y a quelque chose dans la prière. Mais je voulais pas changer. Un jour, j'ai entendu la parole. Et la parole, j'ai dit, bon, ça c'est génial, c'est bien. Ça c'est la réalité, c'est une vérité. Alors le problème, c'était de changer. Il y avait un problème de remise et reprise, comme je vous l'ai dit la fois passée. Les gens, même dans l'église, il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas céder à la vérité. La remise et reprise avec le péché, avec la vie de darkness, il vit comme ça. Il dit, peut-être un jour ça va venir, un jour je veux changer. Non, you have to do something. La remise et reprise est venue, j'ai fait un accident mortel, j'ai perdu mes dents, almost j'ai perdu ma vie. Gloire à Dieu, parce que ma mère, à ce moment-là, elle priait. C'était à 2h du matin, elle priait. Dieu l'a révélé, elle a dit, prie pour ton fils Édouard. Elle ne savait pas de quoi prier, elle ne savait pas pourquoi elle devait prier. Et elle est venue au salon, elle a prié. Après 45 minutes, les gens sont venus lui dire ce qui s'est passé. Elle a dit, non, il ne va pas mourir. Dieu m'a donné sa vie. Et j'ai prié, intercédé pour mon fils. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Gloire à Dieu. Sois fidèle avec Dieu. Il va protéger tes enfants. Il va protéger ton business. Il va protéger tout. Parce que c'est lui qui t'a donné ce que tu penses que c'est à toi. C'est lui. C'est pour ça qu'il faut honorer Dieu dans tout ce que tu as. Parce que tout vient de lui. Tout vient de lui. Parce qu'un jour, hein, il va les faire comme ça. Si tu ne sais pas prier, ça va s'envoler. Ça va s'envoler. Alors, c'est comme ça, ma mère a prié pour moi. Et depuis ce jour, je me suis retrouvé. C'était un miracle. Je me suis retrouvé. On conduisait. J'étais bourré, ivre. Voilà ce que la prière peut faire. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas une blague. C'était peut-être à 120 km à l'heure. Il y avait un troupeau de vaches, au moins une cinquantaine. L'homme, mon ami qui conduisait, il dormait. Et moi, je lui ai regardé, et j'ai regardé les vaches. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la mort. Tu sais, hamburger, yeah. C'est les gens un peu, on parle aussi de non-langage. Hamburger, that's all. Mon frère, il dormait. Les vaches, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais comme si c'était quelqu'un qui conduisait, hein, prendre des freins. Non.
je me suis retrouvé dehors. Ça, c'est... Je me suis retrouvé dehors. La chaise, ma chaise. Le truc là où il y a le... Vraiment, la chaise était cassée. La chaise de derrière, hein, dehors. Je me suis retrouvé dehors. Debout. Pas de dents, hein. Je commençais à parler. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je ne savais pas que j'avais perdu les dents, hein. Je commençais à parler. Je dis, oh non, tu sais quoi, je suis mort. Parce que je ne parlais pas comme ça. Je dis, Seigneur, voilà, je suis mort. Je commençais à intercéder. Je dis, même si tu es déjà mort. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Ghost. Quelqu'un qui sort de son esprit. Alors je commençais à chercher le sol, mon âme, le corps. Mais ce n'est pas possible, je suis ici, j'étais là. Je commençais à chercher mon corps. Après 5 minutes, c'est 5 minutes, hein, 5 minutes. Tu as vu les boxeurs là, 5 minutes, hein, c'est l'éternel, c'est l'éternité. 5 minutes, il n'y avait pas de voiture, c'était un endroit où passer. Tu vois, on venait de boîte de nuit là. Sur cette route-là, il y a beaucoup de voitures. Hein. À ce moment, il n'y avait pas de circulation. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible, je n'ai pas trouvé mon... Mais de toutes les façons, mais voilà, pourquoi ici, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien qui bouge. Il y a les vaches partout, on avait de comment on appelle, amasser. Non, mais le truc de... Des trucs de vache, quoi, sur les visages. Non. Le trip, yes, exact. Donc, l'odeur, tout ça. Darkness, la mort. La mort était là. Je regardais mon ami, la direction dedans. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit, tu ne vas pas mourir. Mon frère, je ne veux pas que tu passes par là. Fais la remise et reprise. Tu n'as pas besoin de passer par là. Fais la remise et reprise. Ta vie sera bien rangée et le Seigneur va être honoré. Et s'il est honoré, il va t'honorer. Dieu va t'honorer. C'est ça la victoire. Quels sont tes combats? Quels sont tes combats aujourd'hui? La première, please, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce que là, ça c'est la première étape. Et après, après l'accident en fait, hein, j'ai réalisé que quand Dieu m'a dit « tu ne vas pas mourir, tu vas être vivant », j'ai donné ma vie directement. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas combien de minutes il me reste. Seigneur, je te donne ma vie. Après ça, les voitures sont venues. Il fallait que je confesse à ces gens que je viens de donner la vie. Et ce qui est étonnant, les gens qui sont venus, c'était des amis, des gens qui me connaissaient. Ils ont vu la voiture. Ils ont dit, Édouard, quand j'ai entendu mon nom, j'ai dit, ah non, tu sais quoi? Je vis. Je vis, j'ai une vie. Alors là, j'ai eu la joie. Les dents, tout ça, ça me disait, non, ça me disait rien. J'ai dit, j'ai la vie. Tu sais, tu as quelque chose que tu penses que c'est, hein, qui t'empêche de faire la remise et reprise. Mais quand le Seigneur va toucher sur ça, tu vas dire, tu sais quoi, ça c'est rien. Ça c'est rien. Ce que j'essaye de, c'est rien. Ce qui t'empêche de faire la remise et reprise, c'est rien. Alors,
Je vous remercie, mais avant de vous remercier. Edouard, juste avant, comment Dieu t'a ouvert les portes? Vous savez, il est le premier au Burundi qui s'occupe, qui est en charge de toute l'art du pays. Comment Dieu t'a ouvert les portes? Voilà, je vais arriver là. C'est cette réussite. Là, je vous ai parlé de la réussite de ma femme et mes enfants. Ça, c'est... Mais le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Quand je vous ai parlé de ma femme et mes enfants, et l'église, j'ai gagné l'église. Le pasteur un jour m'a appelé, il m'a dit, Édouard, nous voulons que tu sois le pasteur ici, un assistant pasteur. Et quand il a parlé de ça, et le Seigneur, c'est cette semaine-là, le Seigneur nous a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Saison de bénédiction. Il y a des saisons. Il y a des saisons. Je veux pas que vous entendiez comment quelqu'un peut devenir riche. Je veux que vous entendiez. C'est parce que c'est lié. C'est lié. La victoire et l'honnêteté devant Dieu, c'est comme ça. Je voulais pas que tu that you miss that part, que tu dois être fidèle à ta famille, que tu dois être fidèle à ton église et laisser le Seigneur te faire la prospérité dans ta vie. Et alors là, une femme m'a appelé de Ngozi. Je m'excuse, pasteur, je dois parler un peu de ça. Le Seigneur lui a, le soir là, réveillé vers 2h du matin. Elle nous a appelé. Je ne sais pas, une femme. Elle me dit, est-ce que tu parles Kirundi? Tu vois, Burundi et au Boston. Est-ce que tu... Je dis oui. Le Seigneur me dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Deux fois, l'or et l'argent. Alors je dis, je vais dans l'or. Je vais dans l'or. Il y a des fois, la parole vient comme si c'est spirituel. Mais il y a aussi que Dieu parle spécifiquement. Pas spirituellement seulement comme tu penses, mais physiquement. Je suis parti là-bas. Ma capitale était de 1 kilo. 1 kilo, c'est pas... Tu sais quitter la famille. Comme dans l'église, nous donnons du dîme tous les jours. Et le Seigneur m'a dit, tu m'honores dans ça, je vais honorer. Et la parole, c'est... Je me rappelle, assis sur mon bureau, les gens venir me dire, écoute, tu sais, l'or, ce n'est pas comme des haricots. Hein? Donc, si tu ne vends pas ça, tu ne vas pas manger. Tu dois venir et les gens, moi j'ai de la licence. Si tu n'as pas la licence, tu ne peux pas exporter. Et l'or chez nous, hein, tu ne le manges pas, tu dois exporter. Et j'ai l'arrêt. Le gouvernement m'a donné ce qu'on appelle permis d'exportation. Et moi, je suis l'homme qui exporte de l'or au Burundi. Et Dieu a béni ce pays. Le pasteur est venu, m'a dit, écoute Edouard, le Seigneur avait protégé pour que ce pays, ce moment-là, c'est le moment que le Burundi, les mots que tu as parlé, pasteur, ça m'a beaucoup conforté. Parce qu'après votre départ, les gens, ils amènent de l'or dans mon fils. Il me dit, tu exportes et tu vas nous payer après. Moi, je n'avais pas cette capitale. Tu vois les gens qui amènent de l'or, hein? Il dépose. Ça, c'est une vérité. Hein? Ce n'est pas une blague. Ils amènent, ils disent, tu exportes. Et quand tu reviens, tu nous payes. Seulement le Seigneur. Et je vous dis, maintenant, nous avons un autre contrat pour les mines. Pas les gens qui vous amènent de l'or pour les mines. Nous sommes en train de chercher les investisseurs. Le Seigneur m'a dit,
tu ne dois pas les choisir, je vais les choisir pour toi. It's a process. Je vais les choisir pour toi. Et je ne peux pas accepter quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu pour venir travailler avec moi et ruiner ce que Dieu a commencé. There is a screening on my business. Hallelujah. Pasteur, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie parce que je sens que dans cette église, pas seulement les gens qui sont fidèles dans cette église, parce que c'est, tu dois être fidèle dans cette église, tu ne dois pas être associé à moi. Il y a des gens à côté de toi que Dieu veut bénir. Sois unique comme une famille et le Seigneur va vous élever. Il est prêt à vous élever. Il veut vous élever. Il veut. Ça, c'est ce qu'il veut. Est-ce que tu es prêt de céder et d'être vraiment quelqu'un qui se donne? Je ne suis pas venu. Le pasteur ne m'a pas, même pas appelé pour faire la publicité. Parce que that's not a business. Mais le pasteur a voulu que vous entendiez ce que Dieu peut faire à quelqu'un. Et l'amener from down to up. My business is growing. Hallelujah. Applaudis le Seigneur. Amen. Hallelujah. Applaudis le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On aura beaucoup de choses à parler. Mais la première des choses que je vous conseillerai et que je vous demanderai, compte tes défis. Compte tes défis. Et attaquez chaque défi. Et appelez l'homme de Dieu. Là où le défi, où tu as un problème, il va proclamer la vie. Et la vie va revenir à chaque problème de ta vie. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Merci. Amen. Merci. Excellent.